Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous venez dans cette prison? Monsieur, au nom de la loi, cédez le passage. De gré ou de force. Je suis le père d'un condamné à mort. Dans ce cas, ne rendez pas plus difficile ce qu'il est déjà. Je réclame un droit de parole, s'il s'agit de mon fils. S'il s'appelle Daniel Cédrinal, personne ne peut plus rien pour lui. Non, c'est pas mon fils. Dites-lui quand même qu'un père est venu. Quand tu vas ramasser les poubelles, tu finiras par les prendre pour les lampions du 14 juillet. Vous avez vu entrer? Non, merci. Ils sont venus pour un autre. Tant mieux pour vous. Vous imaginez, s'ils m'avaient tué le gosse? Et qu'est-ce qu'ils vont faire après cette boucherie? Retourner se coucher et aller à la messe dimanche? Ils vous diront que c'est pas eux qui font descendre le couperet. Peut-être bien que le bourreau va venir lamper un cougnol. Tu l'as déjà vu? Non, il cherche pas à être connu. Non, mais c'est quoi ce métier? Une vocation? Il en faut. Vous le feriez? C'est la loi. C'est comme la guerre. Les assassins, ils nous font la guerre. Patron, 3 muscadets. Ouais. Très dur le réveil. Il avait fait quoi, ce type? Oh, un chauffeur de taxi père de famille et un flic à son tableau de chasse. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur? C'est comme une guerre. Remarquez, c'est rapide, hein? La planche bascule et claque, ça tombe. On dit même que la carotide sur la lunette, ça les zigouille avant la lame.